Lui qui a déjà pris la médaille de bronze au sol en ouverture de cette première journée des finales paragrées. Champion du monde. En compagnie de Tampaco, ça s'est agréé avec 9,787 tous les deux à Anaheim. Il avait déjà décroché ce titre à Ghent en Belgique en 2001. Toujours présent hein, sur le podium aux anneaux depuis 1995. Et les mondiaux de Sabae. Allez, c'est parti. Et encore de faire renverser, parfaite. Difficile, mais ça passe tout de même. La puissance une nouvelle fois. Voilà, là il y a une meilleure tenue de la part de Yordan Yovtchev. Attention, préparation pour la sortie, double salto arrière, corps tordu avec une grille pour Yordan Yovtchev qui rajoute une difficulté supplémentaire. Oh, il a compris, le Bulgare, qu'il fallait forcément en faire un peu plus que Dimosthenis Tampakos pour essayer de passer. Et la note de base, le premier passage à 9,862. 9,862 pour le Grec. Et voilà cette sortie pilée là aussi pour Yordan Yovtchev, 31 ans, lui aussi participe à ses derniers Jeux Olympiques. Laurent vous l'a dit tout à l'heure, c'est un gymnaste qui s'entraîne aux États-Unis. Tampakos, 9,862. Que vont décider les juges pour la performance de Yordan Yovtchev? Forcément, en partant si haut, ils se mettent eux-mêmes en difficulté. Hein. Les juges se mettent eux-mêmes en difficulté. 9,850, il est derrière. Yovtchev est derrière. Et regardez le visage du Bulgare qui comprend que face à la pression du public, il n'y avait quasiment rien à faire aujourd'hui.